Waouh! Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mes frères et sœurs, c'est incroyable. C'est impossible. Ah! Une femme déçue des hommes décide de marier son chien, son animal de compagnie. Ah! Sérieux? Pourquoi les hommes fatiguent beaucoup, même les femmes? Moi, je ne comprends pas. Ah! Bon, nous allons tout vous dire. Si nous allons tout vous dire, mes frères et sœurs, c'est un mystère. Elle va nous expliquer, la femme elle-même, elle va nous expliquer ce qui s'est réellement passé dans sa tête. Dans la vidéo précédente, on a vu des gens qui ont décidé de marier des poupées bizarres. Ah, si vous voulez, cette vidéo apparaît à la fin de cette vidéo, ok? Rappelez-nous, on va mettre cette vidéo ici ou là. Si vous voulez, restez jusqu'à la fin et abonnez-vous aussi, c'est très important. Vous devez aussi partager cette vidéo. Déjà, dites-moi. Avant qu'on aille voir les trucs, dites-moi, si vous, votre enfant vient vous voir, ou bien votre fille, elle arrive, elle vient vous voir, elle vous dit, papa, papa, bonjour, tu es jolie. En plus, elle ajoute, tu sais, j'ai trouvé un homme. Et vous êtes content. Et que après, elle vous dit, tu sais, mon homme, c'est mignon. C'est qui mignon? C'est le nom de mon homme. Et au moment donné, vous présente son chien. Quelle serait votre réaction? Mignon, c'est ton chien et c'est ton nom? Sérieux? Il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas bien dans la tête des gens. Machin, parlons studio. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'esprit des gens, ça dépasse l'entendement. Franchement, ça. Si Nyon Soubon n'avait pas parlé de ça, beaucoup de personnes penseraient que c'est de la blague. Regardez même ça. Incroyable, mes frères, c'est un mystère. Des gens ici ont décidé d'épouser les animaux. C'est-à-dire là, les gens n'ont plus la crainte de Dieu, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Regardez ça. Un homme qui épouse son chien, ou bien sa chienne, moi je ne comprends pas. Une femme qui épouse son chien, juste comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est pour rigoler les gens font des trucs pareils? Et puis qui peut organiser de tels mariages? Qui va célébrer ça? Vous les gens de la mairie là. Ah, réveillez-vous. Hein? Vous avez dormi longtemps. Et la fille ici, elle va même nous expliquer ce qui l'a poussé jusqu'à ce niveau. Ah, mes frères et sœurs. Les gens même expliquent leur péché. On dit que c'est un péché, tu veux même expliquer ça. Et elle est ici. Elle a des choses à nous dire. Waouh! Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Vous pouvez même lire, hein, regardez. Elle nous dit, après une rupture amoureuse, bon, après une rupture douloureuse, on a souvent tendance à faire des choses un peu stupides ou carrément bizarre, mais cette quadra britannique bat tous les records. Là, ce sont les commentaires des gens, ce que j'en pense de ça. C'est inadmissible, c'est hallucinant. Maintenant, allons-y plus loin. On nous dit, après de nombreuses désillusions amoureuses, elle a en effet épousé son chien. Les deux amoureux filent toujours le parfait amour depuis leur mariage en 2012 à Split en Croatie. Elle est revenue sur le plus beau jour de sa vie et sur sa demande en mariage dans une émission de télévision. Pour notre plus grand plaisir. Ah, une femme demande un mariage à un chien, t'as tout un plaisir dans ça. Les gens même sont des problèmes. Les gens même sont des problèmes. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Nous devons faire attention. Oh, nous vous d'abord pour dire, ah, c'est pas une bonne affaire, ma soeur, tu te trompes. Marier un animal, c'est quoi ça? C'est inhumain, c'est contre nature. On n'a pas besoin de te parler de ça.
Expliquez-moi ce qui se passe ici. C'est un mystère que nous voulons vraiment comprendre et essayer de résoudre. Grâce à vous, que Dieu nous aide aussi. Regardez ce que même la fille même a à nous dire aussi. Regardez ça. Qu'est-ce qu'elle dit? On dit, Sheba partage ma vie depuis des années. Elle me fait rire et me réconforte. Je ne pouvais espérer mieux comme partenaire de vie, a-t-elle déclaré. Et elle a tenu à le préciser. Elle a fait les choses dans les règles de l'art quand il a fallu lui demander sa patte. Yes, mon Dieu, quand il a fallu faire quoi? Lui demander sa patte. Ah ben vous savez que les chiens n'ont pas de mains. Bon, vous savez non? Vous savez que les chiens n'ont pas de mains non? Donc qu'est-ce qu'elle va demander? C'est sa patte. Vous voyez même dans le dire même c'est difficile à dire. C'est vraiment difficile à dire quoi. J'ai l'impression même d'être dans une autre planète. Est-ce que vous êtes sûr que je suis là? Est-ce que vous êtes sûr que je ne suis même pas vous parmi vous? Attendez. Bonjour les gars. Est-ce que je suis là? Ah! Mais j'hallucine ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Bon, on a dit plus loin. On nous dit, elle nous dit, je me suis mise à genoux et je lui ai demandé de m'épouser en voyant sa queue remuée. J'ai compris qu'elle avait dit oui. Le chien au compté il remet sa queue, ça veut dire qu'il a dit oui. Ah. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes sûr que les gens même sont normaux? Est-ce que vous êtes sûr que ça va bien? Peut-être que les gens sont malades, mais ils ne le savent pas. Vous savez que souvent, là, quand tu dis un fou, tu es fou, le fou te dit... Va à l'hôpital. Tu lui dis, mais pourquoi? Pourquoi veux-tu que j'aille à l'hôpital? Il te dit, mais c'est parce que c'est toi qui es fou. Va te faire examiner. C'est de la blague. Ça m'étonne. Bon, on a ce problème. On nous dit, 200 personnes étaient quoi? Présentes à la cérémonie pour célébrer l'amour de Sheba et Amanda, qui est toujours aussi fort après près de 2 ans de mariage. Qui est toujours aussi fort après 2 ans de mariage, tu veux dire quoi par là? Tu veux dire quoi qu'elle fait les choses avec le chien? Non, il y a des gens qui font des trucs bizarres. C'est ce qu'elle veut dire ou bien c'est quoi elle veut dire? Non, mes frères et sœurs, non, réagissez, dites-moi. Je suis perdu. C'est quel monde ça là même? De quel monde sommes-nous? Dieu a créé la terre, il nous a donné là, en disant que c'est pour faire n'importe quoi. Il pense que même Dieu, en disant que Dieu a mal fait, de nous donner la terre, en disant que Dieu a mal fait, parce que ça devient du grand n'importe quoi. Moi, je ne comprends pas les gens, je ne les comprends pas. Bon, s'il vous plaît, regardez ça encore. Regardez. Tu donnes une bise à ton chien. Un bisou. Le chien t'a dit qu'il a envie de t'embrasser. Il a même envie de te dire, mon frère va te brosser, mais il ne peut pas le dire. Voici. Le chien même, il est là tranquille. Il a envie de dire à la femme, mais ah, comment tu m'as habillé comme ça? Qui t'a dit que Dieu m'a habillé comme ceci? Je ne te comprends pas. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ici, on commence avec une autre femme qui a décidé d'épouser son chien. Le chien, il pense qu'il va aller tourner un film d'Hollywood, dont lui le content parce qu'ils l'ont déguisé, c'est tout. Eh bien, c'est tout. Et regardez comment elle est même habillée. On va dire très sexy. Le chien ne comprend pas ce langage sexy. Ça n'existe pas chez eux. Parce qu'il est tout simplement un chien. Moi, je ne comprends pas les gens. Waouh.
Voici ce que les gens sont en train de faire. S'il ne se marie pas avec les poupées, il se marie avec les chiens. Ici, cet homme a décidé de marier, d'épouser sa poupée. Regardez, une poupée. Et cette vidéo va apparaître ici. Vous allez voir. Là, son étonnant est arrêté, quoi. Est-ce que nous avons même bien fait de monter cette vidéo? Est-ce que nous avons même bien fait de faire ça? Si vous pensez que c'est vrai, on a bien fait de vous montrer ça, cliquez tout sur j'aime. Si vous êtes aussi d'accord avec nous, cliquez tout sur j'aime. Maintenant, les 200 personnes qui ont assisté au mariage, là, vous allez vous fâcher, non? Vous allez vous fâcher? Souvent, on les appelle les haters. On lui dit, non, vous là, vous parlez trop. Laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Chacun de nous est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Ta parole va se retenir contre toi un jour, si tu ne fais pas attention. Tu vois la couleur là, c'est du vert, là, tu dis que c'est de l'orange. Tu vois c'est bleu, tu dis c'est violet. Que Dieu te délivre aujourd'hui, que Dieu te délivre. On t'a fait quoi? Tu vois ton ami dans l'erreur. Tu ne peux pas lui dire la vérité. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Ou bien ton intérêt. Ce qu'ils veulent, quoi, ils le mettent, tu t'en fous. Que tu te délivres aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il n'aura pas avec toi? Est-ce que nous sommes même des frères? Est-ce que nous sommes même des sœurs? Ici, nous sommes en famille et on se dit les vérités. Même si souvent ça va mal, on se dit les vérités ici. Merci. Bon, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Regardez cette vidéo qui va apparaître ici et n'oubliez pas après de cliquer sur Yann Soubonne et d'aller vous abonner sur notre chaîne. Yann Soubonne 2, Yann Soubonne 3 et Yann TV. Nous préparons de grandes choses qui vont venir sur ces chaînes. Nous voulons atteindre les 1000 abonnés pour toutes les trois chaînes. Il y a déjà deux chaînes qui ont déjà les 1000 abonnés. Il reste Yann Soubonne. Non, Yann TV qui sera bientôt à 500 abonnés. Plus nous sommes nombreux, plus vous partagez les vidéos, ça va loin, les gens se réveillent. C'est ça notre intérêt. Quel intérêt on va gagner même à assister à un mariage où c'est une personne, un homme, un être humain qui a se marié avec un chien. Même si c'est de la bonne nourriture là-bas, mon frère, ne m'évite pas.